Christine Raymond, bienvenue à la Méthode Gun. Vous êtes venue avec... Twix. Twix. Malinois. Il est né le 16 septembre 2011. Voilà. C'est un chien, c'est de la récup. Il était destiné à être à la police. C'était un chien policier. Et un jour, il en a chopé. Hein. Et c'était la fin. Il a chopé un chien, il l'a un peu secoué. C'était un Shetland. Il l'a chopé là. Il n'est pas mort, mais on voyait la carotide. Voilà. Tout le monde m'a dit qu'il fallait pas que je le garde, qu'il fallait que je l'euthanasie. Et puis voilà. Alors depuis, je ne le lâche plus avec d'autres chiens. Ça va faire 5 ans, 6 ans? Ouais, je ne le lâche plus avec d'autres chiens depuis cette expérience que tu as eue. Ah ouais. Alors par contre, je fais toujours de l'agility avec. Et puis les gens, bah, comme ils m'aiment bien, ils sont assez sympas. Quand je pense, tout le monde se casse. Quand il est au travail, il est au travail. Quand il bosse, il regarde pas les autres chiens. Quand il est au travail sur un terrain, il y a des autres chiens autour, il fait son job. Il n'y a pas un chien qui a été lui dire « Maintenant, ça suffit, c'est mon avis ». Aujourd'hui, on va présenter Dexy. Oui. On va lui présenter à ton animal pour la première fois. On verra ce que la chienne nous dira en profondeur. Les raisons qui poussent ton animal à réagir ainsi avec ses semblables. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dexy? Bien sûr. La chienne spécialisée, la chienne thérapeute. Tout à fait. On est venu pour ça. Docteur! Thank you.
C'est incroyable! La chaise spéciale qui vient de sauter sur moi pour me dire qu'on lui enlève la laisse. T'es sûr? T'es sûr qu'on lui enlève la laisse? D'accord. Ok, on va lui enlever. Allez, attention! Oui, ben, elle a dit que. Eh bien, alors c'est parti. Non, mais là, là je. Attention! When you got the cream, I'm not a poster, it's on your wall. I'm a human after all, and I'm tired of being emotional. I've got news for you. You can. C'est extraordinaire cette histoire. Ouais, vraiment, vraiment. Et en plus, elle se couche. J'aurais jamais osé faire ça. Bah écoute, elle lui a dit, lui a sauté dessus, elle lui a dit, maintenant c'est bon, on peut lâcher. Moi j'en reviens pas. Bravo. Ouais. Ah j'en reviens c'était. Pas. Ça va pleurer, moi. Oh, pleure pas, s'il te plaît, pleure pas. Mais tu vois, il est aussi bravo, réceptif de. C'est ce que je disais, il y a un moment où voilà. On n'a peut-être pas fait tout juste, mais c'est ce que je lui disais. J'avais tellement de monde qui me disait « il ne faut pas le garder, il faut l'euthanasier » qu'au bout d'un moment, je dis « ok, ben, je garde mes distances avec tout le monde. » Voilà. Et
vraiment aussi, que je veux dire, mes collègues d'agilité font aussi tout pour que ça marche. Ils mettent de la distance avec leurs chiens. Jamais vu, c'est la première fois. Et puis regarde. Regarde ça. Ouais, bah, ça tire-voile était couché. C'est dingue. Non, mais... C'est un sacré oiseau. T'es tombé sur un bon professeur. Bah, une super méthode. Ouais, c'est bon. Ce qu'il fallait. Ouais. Parce que je dis, il n'y a personne qui lui a dit une fois, Manon, il a, entre guillemets, toujours gagné et il a jamais dit, personne lui a dit, Manon, non, ça se fait pas comme ça. Cette bête est brave. Ouais, t'es trop forte. Tu vois, voilà. Tu vois un truc, tu... On dit on essaye on et puis à la on réalité verra. Ici, tu vois, la vérité. La réalité et la vérité. Et puis, entre guillemets, l'homme n'est pas intervenu. C'est une histoire de entre chien. Les chiens. Là, ouais. Je suis dans la réalité. Alors là, il est lynché. Faut que je réfléchisse un peu là. C'est avec... fantastique. Non, mais ça te fait travailler. Ouais, je fais toujours attention avec lui, pas qu'il attrape quelqu'un, mais un autre chien. Je les distingue, je dois crier et tout. Et puis là, maintenant, j'arrive ici, puis il y a deux chiens sur la tour Eiffel, voilà, de la campagne. Mais c'est fantastique, hein. Tu vois ce qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est fantastique. Puis pas longtemps, quoi. Pas longtemps, ouais. Anne-Christine, Raymond, deuxième jour de stage à la méthode Gueule. Alors, je vais juste parler de la nuit, parce que c'était quelque chose à voir. Il est couché sur son lit à côté d'une autre. Et il a dormi, il était crevé, j'ai donné à manger. Et puis après, on était mangés nous. Quand je suis revenu, il était encore couché. On a fait la fête quand on est rentré. Et cette nuit, j'entends le chien qui dort. Et dans son sommeil, il fait... Pour moi, je pense qu'il rêve ou je sais pas quoi. Deux fois cette nuit. Une fois, je me suis levé à 3h. Et vers 5h le matin, et j'ai entendu la même chose. Moi, je pense que c'est fantastique parce qu'il a dû revivre sa journée et la nuit. Donc pour moi, c'est rentré dans la boîte. Voilà. Et hier soir, nous avons été promenés au parc où il y avait des chiens. Il y avait au moins 4 chiens à 30 mètres, rien. Et puis un, je pense, à 15 mètres. Il n'a même rien, même pas regardé. Encore mieux, ce matin, c'est moi qui sors le matin. Je rentre dans le parc sur un passage de sécurité pour traverser la route avec à ma droite une chienne qui était aussi attachée. Et il n'a pas bougé. Je répète, il n'a pas bougé. La largeur... Du passage de sécurité. Et dans le parc, la chienne a fait pipi à droite, il a fait pipi à gauche. J'ai fait tout le tour jusqu'au fond, le beau château, la mairie. Je suis redescendu, je suis revenu vers l'hôtel et j'ai croisé un autre chien qui l'a regardé passer et c'est tout. Avant le passage de sécurité, mais dans le parc. Ça s'est très bien passé et j'ai jamais eu ça. Ouais. Et c'est même pas levé, des fois il se levait sur la colonne, le long de la colonne hérissée. Merci. Rien. Alors là, moi, top. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour vous deux. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Une surprise. On se réjouit de savoir. Plusieurs chiens en même temps. Plusieurs chiens en même temps? Oui. Raymond, il n'est pas trop pour. Non, moi oui. Bon. Est-ce que Raymond, tu voudrais que je refasse venir la chaîne spécialisée pour te rassurer dans un premier temps? Alors d'accord. Ça, ouais. Ça me plaît aussi. Ça te plaît? Ouais. Eh bien, on est parti. Bonjour. Thank you.
Raymond. À ce point. J'ai eu un petit peu peur là. Je sais pas si c'est qu'il a voulu prendre la balle. Je pense qu'il y a un problème de la balle. C'est mon analyse. Voilà, à vif là. C'est tout ce que je peux dire. Après le reste, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Parce qu'il a voulu prendre le jouet qui ne lui appartient pas. Et le jouet, c'est très fort pour lui. Je veux le jouet, même s'il n'est pas à moi. Voilà. Elle lui a dit non. Elle lui a dit non, il a monté les tours, mais elle a assez vite, très vite fait redescendre, je dirais. À ce moment-là, tu as eu peur, Raymond? Les tours sont montées, oui. J'étais dans le rouge avec l'aiguille. C'est vrai? J'étais dans le rouge. Je savais pas que les humains avaient des aiguilles, c'est quoi? C'est pas l'aiguille que tu penses, mais c'est mon contour. Ah, ton contour à vie, ah ouais, c'est une expression. Voilà. Les suies sont des expressions. Les oiseaux, écoute-les, ouais. Ils en rigolent aussi. C'est les moineaux d'Europe. Et ils répondent à ton aiguille, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il dit Raymond avec son aiguille? Écoute-les. Il faut savoir écouter un peu la nature, des fois. Ils nous apprennent des choses. Bon, arrête de dire des bêtises qui se taisent. Ben non. Est-ce que tu souhaites que je te fasse venir un autre chien en présence de la chienne spécialisée, ou tu préfères que je te fasse venir Eden sans la présence de la chienne spécialisée, la chienne thérapeute? Comme j'ai la trouille, je préférerais que la chienne spécialisée soit sur place. Qu'elle, voilà, je pense qu'il y a, si un arbitre, elle pourrait faire l'arbitre. Si je parle comme ça, s'il viendrait y avoir le conflit, moi j'ai la trouille. Ouais. Tu préfères que la chaîne spécialisée soit présente? Oui. Et toi? Mais qui est Eden? C'est l'assistante de la chaîne spécialisée, la chaîne thérapeute. Personnellement, je reste sur ma position en disant que oui, mais je garderai la chaîne spécialisée parce que je sais que c'est une bête qui peut faire quelque chose. Et l'autre chien, je ne connais pas. Et j'ai encore un peu de méfiance avec le nôtre. Ça serait voilà. Intéressant de passer à une autre phase. Et puis, je me dis, à toi de prendre la décision. Moi, j'irais plus de l'avant. Lui, il veut rester un peu dans la sécurité. Alors, à toi de voir. Raymond, tu as une préférence à ce que la chienne spécialisée reste sur le terrain face à la venue d'un nouveau chien. Et Anne-Christine, toi, tu préfères... Faire encore une étape. Mais... Une étape sans la présence de la chienne spécialisée. Oui, là, on se divise. Oui. Vous êtes divisés, là. Oui, on est divisés. S'il vous plaît, ne vous bagarrez pas sur mon terrain. Restez calme. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis plutôt... Prudent. On a mis en présence la chienne spécialisée. Sans elle, évidemment, on n'aurait pas pu détacher l'animal. Voilà. On est d'accord. Jusque-là, c'est sûr. Jusque-là, je roule. Mais maintenant qu'on est passé à une autre étape, il faut bien qu'on voie comment véritablement ton chien va réagir. Là, si on fait venir Eden, Eden sera seul face à ton animal. Eden, il a quel âge? 11 mois. C'est un chiot. Ah. Quand tu vas découvrir Eden, tu vas voir sa maturité. Hein. Tu dirais pas que c'est un chiot. Alors, je rejoins la décision de mon épouse. Tu sais que ceux qui te regardent là aujourd'hui se disent « Enfin, on va pouvoir voir enfin la situation que Joseph va créer. » Désolé les gunners, hein. C'est des Suisses, pas trop vite le matin et pas trop vite le soir. On a des origines de Suisse, on nous fait un gag le lundi, on rit le mercredi. C'est pas mal ça. Allez, je vous fais venir sans plus tarder l'assistant de la chaîne spécialisée. Eden, que ton chien va découvrir pour la première fois. 3, 2, 1, go. Drown yourself in the neon. You came to this place to hide away in the dark. You tell yourself you need to move on, but when night in the shadows can ease your broken heart. Listen to my volume. You shut your mind. Wanna escape your thoughts for a little while.
il est mature. Génial. Génial. Génial, c'est beau jouer, fantastique. Fantastique. Ouais. Oh, ouais. C'est fantastique. Non, Raymond. Oh là là. Je te félicite. J'avais peur, je n'ai pas osé et ça s'est passé super. Ouais, vraiment, alors j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui, énormément. Mais ce chien, il commence à vivre. C'est une autre approche, c'est une chose différente, c'est naturel. Voilà ce que je dirais. Mais ça va me faire pleurer, alors je vais arrêter de causer. Il a passé entre mes jambes. Et puis qu'il n'a rien dit. Il n'a rien dit. C'était ça. Ouais. Ça c'est. Et puis, il joue, mais il ne la harcèle pas. Il se calme vite. Et ça, je trouve que... Il joue. Après, maintenant, il est nouveau, tout bien, tout voilà. Calme. Il la suit, il regarde. Mais ce n'est pas ce harcèlement de jouer, d'aller la chercher, une agressivité. Là, je le trouve vraiment calme. Voilà. Il joue un ouais. Coup, hop, il va la regarder. Il n'est pas scotché avec, il n'est pas... Ouais, il la harcèle pas. Bravo. Toi, on a bien fait de passer au... à Eden. Ouais. Ben oui, ben maintenant c'est facile de dire oui. Hein. Elle a regardé le chien, il a reculé. Mais reculé, bon ah, parce qu'il voulait un peu la grimper ouais, ou je sais pas, avoir un mauvais comportement. Et il s'est dit non, ben je recule. Mais ce que je viens de voir là, mais c'est pas jamais vu, hein. Moi jamais. C'est extraordinaire. C'est... Si j'ai des notes à te mettre de 1 à 10, t'as 11. I went by your house, what a big mistake. Just compromise. It's the chance of your life. Okay, try to be brave. You have so much to say. Take control of your own life. Right now, every mistake makes you feel like a fake. Take control of your own life.
Bonjour chef. Bonjour chef. Bonjour, bonjour. Dernier jour du stage à la méthode Gun, on est toujours avec Raymond, Anne-Christine. Alors aujourd'hui, vous savez ce qui vous attend? Oui et non, il y a des surprises et puis voilà, il va y avoir des nouveaux chiens. Qui t'a dit ça? Mon petit doigt. Il t'a dit quoi le petit doigt? Il m'a dit qu'il y aurait des nouveaux chiens. Ah bon? Ouais. Raymond, tu es d'accord avec Anne-Christine? Je suis quasiment sûr. Il est toujours en décalé un peu là. Ah, hein, parce que il y a eu des expériences. Il y a des choses que vous savez mieux que moi avec les chiens, autant l'un que l'autre. Et puis voilà, j'ai toujours été un peu trouillard, un peu plus réservé, un peu plus derrière. Un matin, on va voir. Et puis c'est là, ben, jusqu'à maintenant, ben, je peux te dire que. Les deux premiers jours là, j'étais ébloui parce que vous avez fait ce que j'oserais jamais faire. Puisque peut-être après, ben, j'oserais peut-être le faire, mais voilà. Ben justement, on va te mettre en situation, Raymond, parce qu'il y a aussi l'objectif de reprendre confiance en soi par rapport à son animal. Je comprends effectivement qu'il y a 6 ans, vous avez vécu une mauvaise expérience avec votre chien et un de ses semblables. Aujourd'hui, vous allez rencontrer un nouveau chien qui est en stage à la méthode Gun. C'est un mâle. Et on va créer une simple situation naturelle. Durant votre balade, instantanément, ton chien va croiser un nouveau chien. Vous vous êtes jamais rencontré avec la propriétaire. Vous n'avez jamais vu ce chien. Vous allez le rencontrer dans quelques instants. Raymond, Anne-Christine, est-ce que vous avez une objection? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai déjà peur. Encore? Eh ben, moi, je suis prête. Et puis je sais, on a une situation, on a notre chien en laisse ou il est lâché autour de nous. Vous préférez quoi? Lâcher. Vous préférez lâcher? Quand vous voulez, c'est vous qui décidez. Mais j'ai déjà peur. J'ai le droit d'avoir peur. Bien sûr. Parce qu'on a vécu des situations avant, voilà. Puis si on est venu ici, ben c'est pour... voilà, pour nous aider, et puis pour nous monter, et puis pour être sûr de nous, pour aider le chien, dans cette méthode naturelle, et puis j'ai la trouille, voilà, mais je suis prêt à l'essayer. C'est pas toi qui m'as dit que tu étais sergent chef, qui te demandait un apprenti? C'est pas toi? C'est moi. Nous sommes prêts. T'as pas vu l'état de mon caleçon? On va éviter, hein. Après, il y a des couches pampers, mais bon. Non, ça fait partie de l'option, mais il fallait me le dire. Hein. Allez, on est parti avec un nouveau chien. Rassurez-vous, ça va bien se passer. On est parti? Oui. On est parti. Allez, let's go. Je suis très contente parce qu'il est arrivé fort, mais il s'est arrêté. Ouais. Et il n'a pas, comme il faisait avant, cartonné. Je pense que il s'est hop, il arrive et ralentit. Vraiment, il n'y a plus cette j'arrive, je te casse la figure. Et à maintenant, j'arrive, je m'arrête, j'observe. Et ça, c'est, il n'y a rien de tel, quoi. Moi, je pense que le grand travail a été fait l'autre jour avec la chaîne spécialisée. C'est ça qui a déclenché ce chien et qui a réussi à faire ça aujourd'hui. Et c'est ça la réussite. Ouais. Ça, je peux le dire. Et ça, je trouve fantastique. Il est là, il le regarde. Ah ouais, il vit ce qu'il n'a pas vécu depuis 5-6 ans. C'est fou, ça. Et puis, il n'est pas obsessionnel à vouloir jouer, à vouloir... Je trouve qu'il est calme.
Il est bien, il fait son tour, il le regarde. Il n'est pas tout le temps collé à lui ou voulant lui dire ouais, je veux jouer, je veux faire ça. Voilà, il fait son petit bonhomme, il le regarde, il le suit. Et dans le calme. Puis de temps en temps, il est comme ça, comme le vôtre, il vient vous voir si vous êtes là, puis après il repart. Ouais. Ça, c'est fantastique. Voilà. On va rentrer en Suisse avec des choses extraordinaires. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Il y a encore quelque chose qui vous attend. Cette fois-ci, vous avez véritablement l'idée de ce qui vous attend. Mais tout à fait, je pense que comme on évolue là aujourd'hui, tout du positif, on va avoir la chance de revoir un autre chien. Je pense que j'ai raison. Rassurez-vous, les gunners, Raymond a fait l'effort de porter les couches, si je peux me permettre. Je savais pas. Tu as dit quoi? Je savais pas. C'est bien lui qui nous l'a dit tout à l'heure, et à plusieurs reprises. Elle a pas entendu, parce qu'il me demande si j'ai peur. Puis je lui dis, ben, t'as pas vu l'état de mon caleçon? Puis il dit, ben, c'est en plus, on pourrait prévoir des pampers. On y pensera, en plus des chocolats. On est parti? On est parti. Avec un nouveau chien. C'est beau. C'est moi qui vais pleurer, mais c'est beau. Ça me touche. C'est... Voilà, on dit les larmes au bord des yeux, mais c'est vrai, ça. C'est quelque chose. Pour moi, ça. Je fais des balades, beaucoup de balades avec lui. Je vais en forêt, je vais partout. J'attache aussi parce qu'on est en zone où il y a des chasseurs et des chevreuils et tout ça. J'ai la grande laisse longue. Et puis, je fais attention à ce que je croise et tout ça. Puis ici, ben, c'est la liberté. C'est le chien qui... C'est merveilleux parce que c'est le chien... Il vit sa vie. C'est plus... Il est plus conditionné à une laisse et avec d'autres chiens. C'est beau, ça. C'est bon, je ne veux pas, j'arrête. Coupez, caméra, coupez. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a des films ici, il y a des très belles choses, magnifiques. Des fois, je pleure, tu peux lui demander tout seul que je regarde. Il me dit, oh, tu es en train de regarder un film. Oui, mais un film, ça me touche, les animaux. Moi, les gens, je m'en fous, ils peuvent se taper tout sur la gueule, mais pas les animaux. Voilà, mon point faible. Autrement, comme vieux sergent, je suis encore gueulé, s'il faut. D'ici quelques temps, on pourra prendre notre nouveau chien. Ouais. Et parce que là, c'était un grand point d'interrogation. Oui ou non? Raymond, Anne-Christine. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle situation? Oui. Alors maintenant, oui. Hein? Je te rends le pain parce que tu m'apprêtes. Chantal, Lynchal. Je plaisante. Pour rigoler un petit peu. Hein. Exactement. Je crois que oui. Hein. Moi, je crois qu'avec nous, ça va. Mmh.
Vous avez utilisé la laisse Eden, doublement. Moi, je sais. Oui. Elle est pratique. En promenade. Oui, elle est pour bien. Pour la distance et pour le elle est très bonne. Oui. Mais... D'ailleurs, on a oublié de te dire, mais on va la prendre partout. Fantastique. Que du bonheur. Dernière situation, on fait venir le chiot que ton chien va découvrir pour la première fois, un chiot de 2 mois et demi. C'était un chiot qui était agressif vis-à-vis de ses semblables et des humains. Oui. Et des humains. On est parti ? On est parti. Bon, petit commentaire. Je pense que je peux avoir un chiot sans problème. Il a grandi ce chien, il a vraiment grandi. Tout le monde est content. C'était impossible avant. Les humains, là, vous étiez là, ils vous auraient attaqué, il aurait attaqué votre chien, mais vraiment avec une hargne, une rage. Limite, on dirait que le chien il est possédé, quoi. Et là, regardez, il joue tranquille, il y a d'autres chiens à côté, il aboie pas, il ne mord pas, il ne grogne pas, il est serein. Ouais. Il est serein. Puis le nôtre aussi. Le vôtre aussi. Le nôtre aussi, ça je peux le dire. Je connaissais un film qui s'appelait L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Maintenant je connais L'homme qui sait faire avec les chiens. C'est la méthode naturelle gun. Je te félicite, patron. C'est le sergent qui cause ici. Merci. Il a raison, monsieur. Oui, il a raison. Tu sais que j'ai raison. C'est la vérité. Ouais. What a big mistake. But for a while I thought that I wouldn't break. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead. Just open your eyes and take my advice. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Christine, Raymond, je te sens lessivé là. J'ai tellement appris de choses dans ce stage en 3 jours que je suis bon d'abord émerveillé. Hein, c'est fantastique ça. Jamais je pensais ça. Ce chien toujours tendu à l'aise, problème avec les autres, tout ça. Puis je vois ici, on a pu aller d'un près, on a pu faire des choses merveilleuses. Là vraiment, moi je te tire mon chapeau. Pour te remercier, et puis on a appris quelque chose, le chien aussi. On a passé un bon moment. On a passé oui, bon moment. Alors ça c'est sûr. Ah, ouais. 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 Et 3 jours, il a grandi. Alors. Et on est dans une méthode naturelle, assistée de chiens de référence, en l'occurrence Dexy. Ouais. L'assistante Dexy, Eden. Non, voilà. Mais c'était vraiment non, juste. C'est vraiment, ouais. C'est le top du top. C'est fantastique. Quand on voit le début de la vidéo, rien n'est gagné. Et elle a réussi à dire, à lui faire comprendre, voilà. Et puis après, à lâcher avec, lui dire non, maintenant on n'arrive plus comme ça. Et une chose qui est impressionnante, c'est qu'il n'arrive plus sur même tous les chiens. Il arrive et il freine. Avant, il arrivait, il tapait dans le chien. C'est que maintenant, il arrive, il se pose, il réfléchit. Il a une réaction, ouais. Un temps de réflexion. C'est fantastique. Il n'a aucune agressivité envers les chiens. Il serait presque trop à protéger. Papa poule. Mais là, franchement, je veux dire, pourquoi on n'est pas venu à vous ? Ben oui. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Les gens, ils vont, ils vont,
ils vont dire oui, c'est une vidéo, vous pouvez couper des bouts, vous pouvez mettre ce qui est bien, mais vous pouvez venir en confiance, c'est moi qui vous dis, tellement de bonheur et de choses à découvrir ici, que, mais venez en confiance. Ouais. Et puis, et même, vous en apprendrez. Mais quoi, mais on a des fois trop attendu. Ouais, donc on ne connaissait pas, et puis quoi, on réfléchit, et puis on ne sait pas, et puis le taux passe, et puis voilà. Puis après, il y a trop à redresser, il y a trop à faire. C'est mieux de réagir avant, de venir plus vite. Il y a beaucoup de situations à analyser, et à analyser aussi vite. Parce que s'il n'y avait pas eu bonne analyse, et puis de ne pas mettre la chienne thérapeute, et puis mettre la jeûne, ça ne serait jamais été. Moi, ce que je dis, je ne connaissais pas Joseph, j'ai connu ici, et de voir, je dis, ben tiens, qui c'est cet homme-là? C'est quand même l'homme qui dirige toute la situation ici, qui sait faire, et c'est lui son savoir-faire. Et ça, il nous l'explique. En même temps, il nous explique, il sait ce qu'il fait, il est derrière la caméra, c'est sûr, mais il nous explique, il est très réfléchi. Je pourrais encore rajouter que moi, je dis que c'est un type extraordinaire. C'est un type extraordinaire qui sent les animaux, qui sent les chiens, il a de la pratique, il a du savoir-faire, il a du vécu, il a du cœur, il a quelque chose là-dedans. Il a de la patience et puis, voilà, et puis du taux. Il n'est pas stressé en regardant sa montre en disant « Ah, reste dans 5 minutes, ça va être fini, on prend le taux pour le chien. » Vous avez passé un bon moment ? Ouais. Oui. Et là, vous vous dites « Ça y est, c'est la fin ?» Dommage. Bon, on va revenir. Avec plaisir. Ouais. On va garder contact. Volontiers. Ah bah ça c'est sûr. Comme ça tu feras goûter ton petit fromage. c'est dommage parce que j'en avais préparé. Elle m'a dit t'oublier. Ah. Mais qu'elle a déjà fait d'une heure d'autoroute. C'est pas grave, c'est pas grave. Non mais c'était prêt parce que j'avais tout préparé. Merci à tous les deux. Merci à toi, merci à ta infrastructure, à ton chien, à tes chiens. Et vraiment, merci beaucoup. C'est gentil à tous les deux. Merci d'être venus de si loin pour venir adopter le Metal Gun. Merci à tous les gunners, à tous les internautes qui nous ont regardés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, excellent. L'aventure continue sur les réseaux sociaux, puisque je suis plus actif sur Instagram. Je vois qu'il va nous lâcher une petite larme. C'est fort. C'est fort. Ouais, on était fatigués psychiquement, nous aussi. Ouais. C'est intense, hein. Ouais. Ah, l'émotion, ouais. Merci et je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt.